vous avez eu le temps de travailler à la maison et de faire des recherches. Aujourd'hui, il est question maintenant de me reproduire tout ce que vous avez eu sous forme de recherche à la maison. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Il n'y a pas à se communiquer. Il n'y a pas à montrer le dessin à l'autre. Les dessins identiques. Zéro. On déclasse ton dessin. Donc, vous êtes un homme de 12. Donc, je dois avoir 3. Je dois avoir 12 réalisations avec vous. Chaque enfant doit me présenter son travail. Il n'y a pas à tricher ni à regarder chez les autres. Vous avez le matériel, il n'y a pas aussi à demander la vente. Après la prière, je lance déjà l'activité. Nous allons commencer. Donc plus tard, au midi, on doit finir. Mais si tu finis avant midi, tu me laisses la copie, tu t'en vas. Mais c'est mieux de travailler dans le calme. Donc sans plus tarder, nous allons demander à Milandou, et puis tous, nous allons nous mettre debout pour une prière avant de commencer notre journée. Merci. Et moi, je suis très fière de vous, très contente de vous voir toujours actif, dynamique. Parce que hier, vous venez de terminer votre examen. C'était aussi beaucoup d'efforts que vous avez fournis. Et aujourd'hui, on vous demande encore de faire une autre chose qui contribue pour votre épanouissement, pour votre formation, pour votre avenir. Donc, sur ce travail que vous allez faire, je vous souhaite bon travail. Concentrez-vous pour que cela porte du fruit en vous. Ne pensez pas que ce sont des dessins seulement que vous allez porter sur le papier, mais c'est quelque chose qui va dire ce que vous portez en dedans de vous, ce qui vous fait vivre. Donc, le dessin exprime ce que je vis. Donc, je vous souhaite un bon travail pour que tout se passe dans la quiétude. Thank you.
L'objectif, je dirais, premièrement, c'est dénicher le talent d'art plastique au niveau des enfants, nos enfants de l'école Angélique Massé de SAM 2. Et deuxièmement, c'est de donner le goût aux enfants et aussi c'est encourager les enfants à prendre conscience sur les questions qui touchent l'environnement. D'où même le thème « L'enfant et la propriété environnementale ». Je crois que les enfants vont nous présenter le meilleur d'eux-mêmes. Chaque enfant est égal à un dessin.